Et moi, par rapport au virus, donc je l'accepte en tant que la terminologie de virus et tout, l'existence des virus, et je la prends en tant que telle, on va dire, en tant que telle officiellement. Et l'arnaque du VIH, c'est même pas parce qu'il n'est pas contaminant, il n'est pas ceci, il n'est pas cela. Il y a une arnaque, il y a une vraie arnaque. Mais au fait, le VIH, surtout, l'essentiel, hein, c'est qu'il n'a jamais été prouvé. Il faut rappeler une chose, c'est qu'un virus, d'après la version officielle, ce n'est pas quelque chose, une anomalie observable dans un microscope électronique. C'est pas quelque chose que tu observes et tu te dis, bah, tiens, il y a un virus, je le photographie et je vous le donne. Pas du tout. Donc, il y a des processus. J'ai rappelé, moi, une fois sur mon Facebook, comme quoi en 73, Montagnier et son équipe, ils avaient fait un protocole d'une méthode d'isolation des virus, au fait, avec ce qu'on appelle la bande de densité. Et cette bande de densité, je me rappelle plus combien elle était. Je pense qu'elle était à 1000 gm sur milligramme. Voilà, combien de grammes sur milligramme et tout. Et je me rappelle plus le chiffre exactement. Or, il n'a jamais été respecté. Son propre protocole à l'Institut Pasteur, il n'a pas été respecté. En plus, je dis bien en plus, pour isoler, pour trouver un virus, il faut, au fait, il y a beaucoup de cheminement à faire. Déjà, premièrement, tu dois cultiver des cellules. Après, trouver, j'explique le cheminement. Donc, premièrement, quand tu veux dire que tu as trouvé un virus et tu veux le mettre devant tout le monde, le prouver, etc., devant les gens, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas parce que tu as observé que tu as trouvé un virus. Je le répète encore une fois, en gros, il faudrait cultiver les cellules, déjà, premièrement. Et après, trouver des particules, surtout une particule après l'isoler, la particule, l'isoler, après la disséquer, sectionner, la disséquer et tout, et montrer qu'elle peut se répliquer, donc se multiplier. Voilà. Et il faudrait voir qu'elle se multiplie dans des cellules saines, pas dans n'importe quelle cellule. Et là, quand tu as trouvé comme quoi elle se multiplie, etc., et ça, c'est le plus important. Donc, s'il y a cette multiplication dans des cellules saines, là, tu peux dire que tu as trouvé ton virus, tu peux faire le malin, tu peux prendre la photo, etc. Ça n'a jamais été le cas de Montagnier. Montagnier, il a montré une photo dont il n'avait pas respecté ses propres protocoles, et ça donne l'invalidité de chez certains professeurs, des grands chercheurs, comme l'équipe de Perth, ce qu'on appelle Perth Group, c'est l'équipe de médecins qui est en Australie. Et c'est ça le souci, au fait. Donc déjà, on commence par là. Bonsoir Gali, bonsoir à Digital Solder. Bonsoir à vous les gars, bonsoir à vous. Salut. Donc je reprends le live hein, un petit peu en cours de route. Mais concrètement, si j'entends ce que tu nous dis, François, le virus serait effectivement un virus inoffensif, naturel, ou je me trompe? Lequel? J'aimerais. Le VIH ou tu parles du VIH ou tu parles de... Non, non, je te parle du Covid-19. Enfin, moi, pour ma part, le Covid-19 a une part d'ARN du VIH et de la malaria. La malaria servant effectivement en tant que de protéine qui permet effectivement de mieux perforer les systèmes immunitaires humains. C'est ma version d'après ce que j'ai lu et d'après ce que j'ai comme information. Mais j'aimerais que tu me le corrobores et que tu me le confirmes. Alors, premièrement, il ne pourrait pas avoir une séquence d'ADN du VIH, étant donné que le VIH n'a pas été prouvé, comme je l'ai répété tout à l'heure. Tu as Qui entendu? n'a pas prouvé, qui n'a pas prouvé l'ARN, enfin en tout cas des particules d'ARN de VIH dans ce virus, Ah non, 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 ce n'est le pas ici. SARS-CoV-2? Alors déjà, je ne parle même pas du SARS-CoV-2, on va parler de début, c'est-à-dire que je me dis, il y a l'ADN du VIH. Le VIH Ouais. lui-même, il n'a jamais été prouvé. Oui, parce que, comme tu le sais, j'imagine, le VIH, en définitive, est tout simplement une déficience du système immunitaire. C'est-à-dire qu'en fait, Non, dans non, les non, années non, 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 80, non, non, c'est le sida. Ça, c'est le sida. oui, mais le VIH, c'est le sida, Non, non, frère. non, 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 du tout. Ah non, 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 du tout. Il faut faire une distinction. Alors, Le moi, en tout VIH, c'est le cas, virus lui-même, soi-disant responsable. Ce n'est pas pareil. non, moi, je ne crois pas en ça. Je crois que le virus du VIH n'est pas responsable des morts. En fait, si tu veux, le VIH, pour moi, c'est un virus qui met tout simplement en défaut le système immunitaire humain. Donc, en fait, tu ne meurs pas du sida ni du VIH, mais en définitive, le virus VIH est à la cause de ton système auto-immunitaire. C'est une maladie auto-immune, si tu veux. Ton système immunitaire, comme l'explique docteur Duisberg et comme l'explique aussi docteur de Harven, c'est que ton système immunitaire, il baisse, il peut baisser drastiquement à cause, par exemple, des hémophiles. Leur système immunitaire peut baisser drastiquement. Les drogués,
Parce que la drogue peut faire effondrer ton système immunitaire, ou sinon tu n'as pas de médicaments qui peuvent faire effondrer ton système immunitaire pour ne pas rejeter des greffes, tout simplement. Donc il faudrait déjà faire une distinction entre le VIH et le sida. Et là, on a le plus grand virologue au monde, l'un des plus grands, c'est Peter Duisberg, bien entendu, qui a fait le livre, cet excellent livre que j'ai, c'est l'invention du virus du sida. Parce que n'a jamais été démontré que le VIH, l'hypothétique virus, pouvait induire au sida. D'ailleurs, ce livre-là, il a été préfacé par Kerry Mullis, et Kerry Mullis, c'est le père de la PCR. Donc la PCR, de gel. Mais tu sais que Kerry Mullis, il revient sur l'utilisation que l'on fait de la PCR aujourd'hui pour le Covid-19, tu es au courant? Bien entendu, bien sûr. Justement, à l'époque, Kerry Mullis, il a été très critique par rapport à la PCR en disant que vous utilisez mon instrument pour lui faire dire ce que vous voulez. Donc déjà, il a été assez critique à l'époque. Malheureusement, il est décédé en 2019, paix à son âme. Mais ce monsieur-là, s'il était vivant pendant la guignolerie mondiale du spectacle, du capital par rapport, comment s'appelle, la guignolerie du corona, il aurait dit, ben là, vous prenez les gens pour des cons. Bien entendu, ils ont essayé de le faire, de décrédibiliser à une époque, Kerry Mullis, parce qu'il avait dit certaines vérités. D'ailleurs, c'est ce monsieur que pour le renouvellement des budgets de son laboratoire, il avait dit qu'il devait faire un rapport où il devait prouver que le VIH est la cause du sida, par exemple, et il n'a pas eu de preuves. Il n'a jamais eu de preuves. Les gens lui ont promis ce rapport-là, c'est-à-dire lui donner la genèse qui prouverait cette existence-là, qui n'a jamais été prouvée. Moi, je vous invite aux personnes qui ne connaissent pas ce sujet, regardez aussi le reportage qui s'intitule « Sida le doute » de Jamel Tahi, qui a été produit en 1996. Ma lecture de ça, si tu me permets, François, c'est qu'en définitive, le VIH, c'est en définitive la cause, et le sida, c'est la conséquence. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, normalement, d'après le cheminement habituel et le cheminement officiel. D'après le cheminement officiel, oui. C'est-à-dire que le VIH, c'est le virus responsable des maladies auto-immunes. Exactement. Voilà. Sauf que l'existence du VIH n'a jamais été prouvée. Beaucoup de médecins indépendants et tout, des laboratoires qui le remettent en cause, dont l'équipe de Perth, c'est l'équipe australienne. Ça a été la première équipe qu'il avait mise en cause. Et comme je le répète encore une fois, c'est que pour prouver que le virus existe, il faut cultiver les cellules, il faudrait trouver des particules, l'isoler, disséquer, etc. et démontrer qu'elles puissent se répliquer parmi les cellules saines. Et ça n'a jamais été fait. Luc Montagnier bute sur ça. Il bute sur ça. D'autant plus qu'il avait violé son propre protocole de 73, le protocole qu'il avait émis chez Sanofi Pasteur. Et c'est pour cette raison que quand il vient nous dire qu'il a trouvé des séquences du VIH dans son truc, voilà. Les autres, au fait, ils ne le prennent pas au sérieux parce qu'ils se disent, c'est un monsieur qui avait parlé dans House of Number quand il avait parlé comme quoi on peut guérir du VIH avec des antioxydants et aussi une bonne hygiène de vie. Donc ça n'a pas plu. Tout à fait. Ouais, tout voilà. À fait. Et surtout avec son apparition, quand il avait apparu avec le monsieur Henri Joyeux, contre l'abus vaccinal, etc., avec la fusion de certains vaccins, machin et tout. Donc, il était avec lui lors d'une conférence et du coup, ça a grandement contribué à l'énervement des médias. Pour rebondir sur ce que tu disais, effectivement, dans les années 80, bon, effectivement, on sait tous que le sida s'est développé dans les milieux homosexuels, dans les boîtes new-yorkaises, des années 80, et c'est vrai, tu faisais référence à une hygiène de vie, et j'ai eu, moi, en tout cas, pas mal d'informations sur le fait que, d'une part, le VIH était la cause et que le sida était la conséquence, mais que tout ça ne résultait, en définitive, que d'une très mauvaise hygiène de vie. C'est-à-dire qu'on pouvait guérir du sida, et certains ont guéri en ayant une meilleure hygiène de vie, en s'alimentant correctement, et en arrêtant de se mettre du pompers, voilà, tu m'as compris, quoi, sans vouloir aller dans les détails. Oui, alors, donc, essayez de vous expliquer un petit peu la cause du sida. Alors, vous dites que le sida est dû à cause de la vaccination en abattage en Afrique grave pour éliminer leur stock. Non, du tout, aucun rapport. C'est-à-dire que même il y a des personnes à l'époque où elles disaient que le sida, c'était aussi fabriqué dans un laboratoire. Bien entendu, on pouvait penser ça, parce que les Américains ont l'habitude de faire des choses ignobles, on va dire. Bien entendu, on a l'habitude. Donc non, la cause du sida, bien entendu, ça a été les poppers, voilà, qui étaient d'une nitrite d'amyle,
Et le poppers, il a été utilisé dans la communauté gay. Et comme par hasard, dès qu'on a libéré la sexualité de la communauté gay fin des années 70, on a vu l'apparition du sida. Pourquoi le sida? Parce que il y avait ce qu'on appelle le sarcome de Kaposi, qui est un cancer. Au lieu d'apparaître sur les jambes et à partir d'un certain âge chez les hommes, il apparaissait à n'importe quel âge et surtout dans le palais, dans le visage et tout. En fait, ils étaient en panique. Ils se disaient « merde ». Et pas que dans le palais. Et pas que dans le palais, bien sûr. Il apparaissait ailleurs que sur les jambes. Voilà, tout simplement. Et donc, ça a créé une panique. Et bien entendu, certaines personnes pensaient que c'était un problème viral. Voilà. Le problème avec tout ça, c'est que quelques années plus tard, quand ils se sont rendus compte, y compris avec le CDC, Center of Disease Control, comme quoi ils se sont trompés et tout, ils avaient lancé de fausses campagnes et tout, ils ne voulaient pas revenir en arrière. Donc, ils ont continué avec cette mystification. Donc, c'était du nitrite d'amyle qu'on utilise pour dilater les vaisseaux sanguins du cœur. Ils l'ont utilisé pour dilater autre chose, sans compter qu'on l'utilisait comme aphrodisiaque, et puis voilà quoi. Et il donnait des dégâts. Bien entendu, plus tu te droguais, plus tu étais dans la communauté gay, par exemple, tu vas dans les backrooms, etc. Et donc, tu fais effondrer ton système immunitaire. Tu prends en plus du poppers, tu avais une chance sur deux de tenir moins d'un an. Tu allais crever en moins d'un an. Donc, c'est pour cette raison qu'il y a eu ce truc-là. Et posez-vous la question, comment cela se fait-il que chez les Blancs, entre parenthèses, comme ils disent les Africains, donc en Occident, ça touche essentiellement les hommes, surtout les homosexuels, et pourquoi en Afrique, ça toucherait les hommes, les femmes et les enfants? Posez-vous la question. Donc le virus n'est pas sélectif, il n'est pas intelligent en se disant, bah tiens, en Occident, je vais toucher spécialement que les homos. Ça n'a pas de sens. Non, et d'ailleurs, il y a plus de promiscuité en Afrique. Non, parce que chez la communauté homo, il y a eu, par rapport aux relations anales, etc., etc., il y a eu pas mal de passations de maladies parce que les homosexuels, c'est connu. Hein. On peut le voir aussi dans le livre de Philippe Randa, qui avait écrit dans les années 80 sur les homosexuels, comme quoi, en gros, hein, la majorité elle n'avait pas de relations sérieuses. C'est-à-dire que le gars, il était actif, passif, machin, toute la nuit, quoi. Donc, il recevait plein de gars. Donc, ils avaient pas mal de MST. Et suite au MST, ça sonnait l'alarme lors du test du sida. Ouais. En Afrique, pourquoi ils se mettaient positivement très facilement? Parce que premièrement, le test, surtout le Western Blot, il ne faut pas oublier que les anticorps chez les Africains, il va s'affoler plus facilement que nos anticorps à nous. Pourquoi? Parce qu'ils ont pas mal de maladies en Afrique, donc ça a développé pas mal d'anticorps et ils ont plus tendance à s'affoler lors du test, tout simplement, déjà premièrement. Donc du coup, quand vous prenez une femme africaine enceinte, le test, c'est sa folle encore plus. Il faut pas oublier que le test n'a jamais été spécifique. C'est-à-dire que le test va pas trouver le virus en vous. Il va trouver des protéines, ce qu'on appelle les AGP 120, 40, etc. Prétendument responsables. Je dis bien prétendument responsables. D'ailleurs, il y a une incohérence totale dans le test de Western Blot, étant donné qu'il faudrait remplir les 10 bandelettes. Sur les 10 bandelettes, il faut avoir à peu près, en Afrique, 2 bandelettes positives pour dire la personne est malade du sida, 3 en Occident, on va dire, surtout en France, aux certains États des États-Unis, et 4 en Australie. Donc déjà, il n'y a pas ce qu'on appelle une homogénéité mondiale par rapport au test. Ça, c'est le premier problème. Le second problème aussi, comme on a dit, il y a un désavantage par rapport aux Africains, c'est que ils ont les anticorps qui s'affolent très rapidement. Donc du coup, on peut les accuser très facilement. De plus que le test, tellement il n'est pas fiable qu'il bouge à peu près à plus de 70 maladies. Ça a été prouvé par le médecin Christine Johnson. Donc, en clair, il y avait un médecin aussi en Afrique qui s'appelait Max Essex, que d'ailleurs, il a fini chez l'OMS, ce monsieur. Il avait prouvé comme quoi, quand tu avais la tuberculose, le test, il sonnait directement positif. En réalité, tu n'as pas le sida. Comme il y a beaucoup de tuberculose en Afrique, eh ben tous les tuberculeux qui font le test du sida, ils sortent obligatoirement positif. Positif. Mais, voilà. Mais là, est-ce qu'on n'est pas dans une totale ingénierie qui peut, à l'image de celle qu'on est en train de vivre actuellement à l'échelle mondiale, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Afrique est un petit peu le laboratoire de la Big Pharma, des laboratoires pharmaceutiques, et que par le biais effectivement de leur espèce d'alchimie qui s'apparente plus à de la sorcellerie chimique, ils essaieraient pas un petit peu de nous faire des petits cocktails et des tests grandeur nature dans les populations africaines pour laquelle l'Afrique, en tout cas le continent africain, a été un petit peu le perdant de l'histoire en ce qui concerne le VIH et le sida. Non, alors déjà, les Africains, ils ont subi la mauvaise image. C'est-à-dire,
On sait très bien que la transmission entre l'animal et l'homme est difficile. Donc, il faudrait qu'il y ait une modification génétique, le code de l'ADN, pour qu'il y ait à peu près une transmission. Le premier souci, c'est que le sida, le vrai nom, au début, il s'appelait le GRID, qui voulait dire Gay Related Immunodeficiency. Que le CDC, Center of Disease Control, qui avait renommé en sida, quoi, en gros en AIDS, pour ne pas incriminer les personnes homosexuelles. Parce que ce sont les personnes homosexuelles dans les backrooms, etc. Prenaient des drogues, des substances, prenaient aussi le poppers et ont trouvé souvent cette maladie chez eux. Tout simplement. Donc, les Africains souffrent de cette image que, soi-disant, la transmission a été faite par le singe vert. Au début, on nous a dit que c'était vers Kinshasa, donc le Grand Congo. Et actuellement, depuis quelques années, depuis à peu près 5 ans, ils ont changé l'histoire en disant comme quoi c'était le singe du nord du Gabon et le sud du Cameroun. On va dire un truc qui transitait entre l'est de la Guinée équatoriale, le sud du Cameroun, on va dire au sud du Cameroun, et bien entendu le nord du Gabon. Pardon ? Le nord de la Namibie et toute cette partie de l'Afrique. Non, hors sujet. Parce qu'ils avaient ciblé l'Afrique centrale. Oui, mais ça s'est répandu. On s'en fout que ça s'est répandu ou pas. Moi, je te parle des origines, la genèse, du mythe. L'histoire du croque-mitaine du sida, le mythe, il a été créé, on va dire, que l'Occident nous fait croire comme quoi il était d'origine zaïroise. Voilà, si on préfère de rentrer dans le bon nom. La bonne terminologie. C'est surtout un nom, parce que c'est les Quinois, par exemple, ils se considèrent comme zaïrois. Donc, ce sont des Congolais, bien entendu. Donc, il y a le fleuve Congo qui sépare les deux Congos, mais ils se disent zaïrois. En général, ils se disent ça. Donc, non, ça a été... Et l'Afrique, elle a souffert par ça. Et bien entendu, l'Afrique, elle souffre depuis des décennies, depuis des siècles, de ses propres maladies, c'est-à-dire la malaria, bien entendu, de la tuberculose et tout. Et quand un Africain est malade, il a la tuberculose, il va faire un test. Si son médecin est assez crétin pour lui dire « va faire le test du sida », il va sortir obligatoirement positif avec le test Western Blot. Et du coup, sa vie est détruite. Parce que le gars, il se dit, je n'ai pas que la tuberculose, j'ai aussi le sida, la maladie qui va me détruire socialement. En plus, en Afrique, ils ne pardonnent pas, parce qu'ils vont ils te chassent de la famille, du village. Moi, je connais par exemple une famille, il y avait eu une embrouille dans une famille congolaise où la personne ne pouvait pas hériter. Ouais, si en plus de ça, tu es un enfant sorcier, alors là, c'est le combo, quoi. Voilà, donc la personne ne pouvait pas hériter parce que c'est un homme qui est marié et tout, donc... on pouvait le soupçonner d'une homosexualité, tout simplement, tout bonnement. Donc déjà, il y a ça. Et dans les quartiers, ça jase très rapidement. Dès qu'on voit que la personne, elle est bien amaigrie parce que peut-être elle a un souci, que ce soit un souci, une dépression ou peu importe, eh ben les gens vont te dire, ben non, tu as le sida. Donc déjà, ça jase. Tu n'as même pas fait de test, tu n'as même pas la tuberculose, quoi que ce soit, que ça jase. Donc j'ai vu pas mal de configurations différentes en Afrique que malheureusement... Bonsoir, on t'entend très bien. Voilà, ça va comme ça ? Désolée, je ne suis pas habituée. Voilà. Oui, juste pour rebondir ce que disait François et j'en terminerai. En fait, tu es en train de nous dire qu'en Afrique, la rumeur tue plus que le sida, quoi. La rumeur peut tuer plus que le sida, mais celui qui tue, ce n'est pas le sida, c'est le test lui-même, malheureusement. C'est le test qui te sort socialement, qui te détruit psychologiquement parce que tu crois que tu as une maladie. Et la rumeur fait le reste. Donc, tu ne peux pas t'en guérir. Moi, par exemple, j'ai pris le témoignage des prostituées au Gabon, par exemple, et aussi le témoignage des malades à l'hôpital Kembo de Libreville. Et en fait, les retombées sont catégoriques, c'est-à-dire que ça pousse même certaines femmes, parce qu'elles croient qu'elles ont le sida, donc elles se disent « je vais prendre les rétroviraux ». Et pour pouvoir prendre les rétroviraux, étant donné que je n'ai pas d'argent, je devrais les acheter en sous-marin. Et pour les acheter en sous-marin, je n'ai pas d'argent, donc je vais me prostituer. Tu comprends ? C'est pour cette raison que ça m'a donné la piste des prostituées, d'où je suis parti les voir pour questionner et marquer, on va dire, prendre leur témoignage, etc. Et bien entendu, faire ce rapport-là aussi avec certains médecins. J'en ai parlé avec des médecins, bien entendu, des virologues, des infectiologues et tout. Ça fait pas mal écho à ce qui se passe aujourd'hui. Qu'est-ce que tu en penses ? Écho 2. Écho par rapport au Covid-19, tout simplement. D'autant plus que l'Afrique aujourd'hui est quand même beaucoup plus épargnée que l'Europe. Quelque part. Alors, il faut rappeler un petit peu que le coronavirus n'est qu'une grippe, on va dire, spectaculairement mise en scène par le capital. J'adore cette phrase parce que c'est une phrase de Francis Cousin.
elle en découle du mensonge, du grand mensonge du sida. Comment j'ai pu faire, moi, pour démystifier cette connerie dès le début? Eh ben, c'est très simple. C'est parce que, au début, bien entendu, j'ai remis en question lors de mon live de 27 janvier 2020 sur cette chaîne-là en disant que, attention, il y a toujours eu des apocryphes, des mystifications lors de la guignolerie de H1N1 et bien entendu de l'Ebola, parce que la séquence d'Ebola, cette guignolerie, je l'ai vue aussi en Afrique, hein, surtout en Afrique centrale qui n'était pas du tout touchée par ça. Antérieurement, antérieurement, dans les années 70, ça a été touché, bien entendu, au Congo, mais plus le cas. Et d'ailleurs, la maladie est partie d'elle-même. Elle s'est dissipée d'elle-même. Pas de vaccin, ni quoi que ce soit. Elle est partie d'elle-même. Et bien entendu, quand tu fais la parallèle, quand tu connais le dossier du sida, tu te dis, bah, tiens, le test du sida n'a jamais été fiable. Premièrement, que ce soit le test ELISA ou le Western Blot. Deuxièmement, on a mis sur le dos des malades, des morts du sida, on leur a mis le sida, or les personnes sont mortes d'autre chose, essentiellement de la tuberculose, de la malaria, etc., etc., mais on les a recatalogués, re-estampillés sida. Donc c'est pareil, c'est le même cheminement actuel, c'est-à-dire le test pas fiable, bien entendu, et tous les malades possibles re-estampillés malades du Covid. Mort du Covid. Tu chutes de l'escalier, t'es mort du Covid. Tu descends de ta voiture, tu te fais écraser, t'es mort du Covid. Je vais te répondre sur ça, c'est très simple. Le père de la PCR, Kerry Mulis, la PCR qu'on vous fait mettre dans le Covid. Prix Nobel d'ailleurs. Voilà, prix Nobel de chimie. Kerry Mulis, il avait dit, en gros, à l'époque, hein, quand il rigolait sur le truc du sida en disant que vous nous avez inventé ce mensonge-là, il avait dit que bientôt les accidents de camions, on va les répertorier comme morts de sida. À l'époque, déjà. Tu peux allumer ton micro, Gabriel. Tu es en direct. Oui, pardon, excusez-moi, je ne suis pas habituée. J'ai 65 ans. Je veux vous expliquer, j'avais 28 ans quand j'ai eu ma leucémie au stade terminal. J'ai vécu le début du sida. J'avais mes meilleurs copains qui étaient des chercheurs, des scientifiques au niveau du sida, qui travaillaient sur Anvers. Donc, je viens de la Belgique, vous entendez mon accent, désolée. Mais bon, voilà, voilà. Alors, écoutez-moi. Moi, j'ai ma leucémie au stade terminal. Ok, on m'a dit, il y a 4 semaines à vivre. Bon, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi je parle de ça. Parce qu'en fait, lorsque j'étais à Bordel, à Situ Bordel à Bruxelles, ils avaient tous peur de me toucher parce qu'ils croyaient tous que j'avais le sida. Alors, j'avais pas le sida parce que j'avais la leucémie. Donc, voilà. Même les médecins, les infirmiers, c'est un petit peu compliqué. C'était au début, hein, le début du sida. Même des dentistes ont été contaminés par. Il faut le savoir parce que ça existe. C'est pas comme le Covid-19. Ça, je suis pas d'accord avec ce que vous dites. Je vais vous expliquer après pourquoi. Et puis alors, ce qui s'est passé. Donc, j'avais mon meilleur ami qui était scientifique et chercheur et tout. Toujours resté mon meilleur ami à l'époque et tout de la Nouvelle-Guinée, qui travaillait sur des grands virus et tout. Et il m'avait expliqué, et ça, je suis d'accord. Puis j'ai assisté à des conférences, je vous explique après, puisque bon, ça m'a interpellée, pas par rapport à ma leucémie, mais beaucoup de choses aussi. Et le sida, mon Dieu, j'ai vécu dans le monde des artistes. Donc, beaucoup d'artistes avaient le sida. Parce que c'est vrai, c'est dans le monde, comme vous dites, des homosexuels. Ça, c'est la vérité. Et c'est pas des faux morts, c'est pas des trucs, des publicités comme Covid-19. Ça, c'est les médias, c'est des faux trucs. On raconte des fausses informations. Tout ça est payé par les milliardaires. Mais excusez-moi, j'étais avertie depuis 40 ans contre l'ordre mondial. Moi, je suis horripilée par tout ce qui se passe. Je suis contente que tout ça bouge maintenant. J'attends ça depuis longtemps et je me bats contre ça. J'ai donné des conférences dans le passé. Alors, pour le sida, il faut comprendre. Je me suis posé des questions à l'époque. Je n'étais pas scientifique à ce point-là. Mais après, je me suis plus intéressée, c'est normal, puisque j'ai eu 4 cancers en plus. Donc, ici, c'était mon grand ami qui était chercheur, m'avait aiguillé là-dessus aussi. Et c'est vrai que j'ai assisté à des conférences de scientifiques, et ça a été vraiment, je ne retrouve ça nulle part. C'est comme si on avait effacé tout ça. C'est incroyable. Et on a montré, moi je me rappellerai toujours de ça, des médecins, des grands spécialistes dans des conférences en vrai, pas sur Internet, n'est-ce pas, et qu'ils avaient expliqué qu'ils devaient vraiment vite déballer leur vaccin. Il y avait trop de vaccins dans l'ONU, là, en Afrique, et les pauvres petits Africains venaient 4 fois par semaine pour se faire vacciner.
4 fois par semaine, mais leur défense immunitaire était complètement détruite. Il faut comprendre que c'est horrible. C'est horrible. Est-ce que vous comprenez aussi ce qui s'est passé? Est-ce que vous comprenez qu'on a cassé leur défense immunitaire et que les petits Africains ne se rendaient pas compte? Ils venaient parce qu'on leur disait « ils venaient parce qu'on leur disait « et puis on éliminé, et puis on éliminé, en avant. Vous savez, j'avais une crèche à l'ONE avec ma maman et on vaccinait aussi. Moi, j'ai eu des petits bébés qui sont morts à cause des vaccins. Je vous explique ça 3 jours après. Mais en Afrique, vous imaginez, les Africains n'ont pas l'instruction. On leur dit, faites-vous vacciner, faites-vous vacciner. Ils venaient trop. C'était même pas vérifiable. Mon copain qui était de la Nouvelle-Guinée me l'a dit. C'est un scientifique. Je parle, j'ai 65 ans. À l'époque, j'avais 28 ans. Écoutez-moi ce que je vous dis. Ce que vous dites là, je ne suis pas trop d'accord avec ce que vous dites. Parce que ce n'est pas vrai. C'est à cause qu'on a survacciné en Afrique. Eh bien, évidemment, ce virus-là du sida existait depuis longtemps, depuis la nuit des temps de la préhistoire, le singe, là, depuis longtemps. Pourquoi ça s'est transmis à l'homme? Mais non, c'est pas un truc manipulable. Le Covid-19, oui, ça, c'est un truc qui est manipulé par l'être humain. Mais pas le sida, s'il vous plaît. Vous comprenez pas que ce qui s'est passé, c'est qu'on a cassé les défenses immunitaires des Africains. Des êtres humains comme tout le monde, nous sommes des êtres humains comme tout le monde. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ah ben voilà. Et j'avais mon copain qui faisait des recherches sur l'Ebola à l'époque, parce que si vous saviez, eh ben il passait des nuits entières là-dessus parce qu'il m'expliquait un petit peu, c'était fort compliqué, très compliqué. Donc voilà, je voulais vous dire ça parce que je suis pas d'accord dans ce que vous disiez. Excusez-moi, je suis tombée bêtement sur votre vidéo. Je t'en prie. Voilà, je suis pas. On va se dire tu. Hein. Mais oui, bien sûr, c'est Internet. Je suis pas habituée à être en direct. Voilà, je reste un petit peu sur le côté, mais souvent j'interviens. C'est vrai, je ne sais pas me taire. Je suis désolée. Hein. Je suis pas habituée à être en direct, mais souvent j'interviens. Je ne sais pas me taire. Voilà, mais je vous dis parce que c'est du vécu. C'est du vécu. Moi, je l'ai vécu. Moi, j'ai eu plein d'artistes qui ont eu le sida, qui sont morts du sida. Parce que j'ai eu un monde artistique, hein, moi. Vous savez ça? Moi, je travaillais au Théâtre de la Gaîté et j'ai connu tous les grands artistes. Hein. Mon premier mari est mort d'un cancer. Moi, j'avais aussi la leucémie. Ça n'a rien à voir avec le sida. C'est la Hodgkin, mais je suis toujours là. Hein. J'ai eu 4 cancers, je suis toujours là. Hein. Je suis irradiée, mais je suis toujours là. Hein. Je vis avec une stomie depuis 20 ans, mais je suis toujours là. Je me bats toujours, je suis toujours là. Mais c'est pour vous expliquer que j'ai vu tous des artistes mourir, mais c'est vrai qu'ils étaient homosexuels et sont morts du sida, c'est la vérité, hein, c'est la vraie. Hein. Je les ai connus, c'est pour du vrai. Hein. Et des artistes que je... Ce sont des artistes... Je suis désolé de te couper, Gabriel. Ce sont des artistes qui ont pris des drogues, qui prenaient de la drogue, qui prenaient de nitrite d'amyl qu'on appelle le poppers. Non, pas ceux que je connais. Je ne pense pas que tu les connais sexuellement, peut-être. Je les connaissais, excuse-moi, hein. C'était mes meilleurs amis, quoi. Je les connaissais vraiment. Même si c'était tes meilleurs amis, les connais-tu sexuellement, on va dire, pour voir s'ils y prenaient du poppers ou pas? Ils ont pu mourir d'autre chose qui a été rediagnostiquée en tant que sida. Je suis d'accord avec toi. Je sais qu'il y a eu des cas comme ça, mais pas ceux que je connais. Okay, mais le test, Gabriel, c'est impossible d'affirmer ça parce que même à l'époque, le test n'a jamais été fiable. Donc, on ne pouvait pas savoir si réellement ils étaient malades, s'ils étaient morts de ceci ou de cela. C'est-à-dire que ça a été rediagnostiqué. Donc, il n'y a pas eu une sélection, genre tel individu est mort réellement du sida et tel individu, et on s'est trompé dans le test, on a rediagnostiqué mort du sida. Ça marche pas ainsi, hein. Ça marche pas comme ça. J'en ai encore connu dans les années 90. C'était pas des artistes, c'était à Liège là parce que je voyage beaucoup, je suis un pigeon voyageur. Ils prenaient pas des substances comme tu dis, hein. Donc c'est une personne qui est morte du sida. Voilà. Alors c'est une personne qui est morte d'autre chose. Oui, non, parce que Gabriel, le dénominateur commun, c'est qu'il devait avoir un système immunitaire beaucoup plus faible que les autres. Mais dis donc, des défenses immunitaires beaucoup plus faibles que les autres puisque j'ai la leucémie. Tu rigoles, j'aurais l'avoir aussi alors. Hein. Oui, mais associé à une mauvaise hygiène de vie.
Ah ben moi, j'ai rien du tout. Moi, j'ai pas de problème. Alors, oui, mais peut-être alors, que tu as une meilleure hygiène de vie. Alors, je fais très attention. Je mange tout. Les amis, je vais vous faire écouter l'extrait d'un reportage officiel qui est passé en 96, fait par Jamel Tahi, qui a fait un très bon reportage. Pour moi, c'est l'un des meilleurs reportages. Juste l'extrait d'un monsieur, vous allez voir, vous allez comprendre un petit peu le cheminement. Des scientifiques américains sont venus avec le tout nouveau test de dépistage. Ils ont testé les populations importantes et constaté que dans certains cas, 40 à 50% des tests étaient positifs. Alors ils ont dit, le VIH doit être là depuis de nombreuses années et l'Afrique est en proie à une terrible épidémie. Ce qui, bien sûr, a créé un climat de peur extrême. La terreur, en effet, est partout présente. Et pourtant, il n'y a pas de quoi, écrit-il. À ses yeux, en effet, le sida reste invisible. Il ne trouve pas trace des villages décimés par la maladie, ni des cimetières bâtis à la hâte pour faire face à l'hécatombe. L'Afrique est malade, certes, mais de rien qui ressemble à quelque chose de nouveau, même si cela s'apparente à ce qu'en Occident, on nomme le sida. Alors, là, ce qu'il va dire, c'est très important. Écoutez bien, là, ce passage-là, qui est crucial. La première chose qui m'a frappé quand je suis arrivé en Afrique et ai commencé mon enquête, c'est que les hôpitaux remplis de malades du sida, ainsi que les villages qui mouraient du sida dont on m'avait parlé, n'étaient pas immédiatement apparents. Quand je demandais « Mais de quelle maladie meurt-il ?» On m'a dit « Du sida ?» Et j'ai dit « D'accord, mais de quelle maladie ?» Parce que le sida est un syndrome de déficience immunitaire. Alors on m'a dit « Eh bien, ce patient-là a la tuberculose, celui-ci a une diarrhée irréductible, celui-là a la malaria. » Il y avait toutes sortes de maladies, fièvre, diarrhée. Le genre de maladie que l'Afrique a toujours connue, mais qui en fait avait été rediagnostiqué comme maladie du sida du fait même de la peur engendrée par le test VIH. Pour vous expliquer c'est qui ce monsieur-là, juste rapidement, je reviens un peu en arrière. Un hebdomadaire britannique a été amené à des conclusions radicalement différentes. Dans son édition d'octobre 1993, le Sunday Times publie en effet une enquête au titre volontairement provocateur, le mythe du sida africain. L'auteur de l'enquête s'appelle Neville Hodgkinson, journaliste spécialisé dans les questions scientifiques. Le voici à sa table de travail. Le doute l'assaille quand il effectue son voyage en Afrique centrale au cours de l'année 93. Voilà, on peut revenir à nos moutons. Donc je pense et j'espère que tu as compris un petit peu, Gabriel, comme quoi il avait dit que tout a été rediagnostiqué en tant que sida. Or, les personnes sont mortes d'autres choses, des maladies qu'elles avaient toujours eues chez elles habituellement. Donc, la malaria, la diarrhée irréductible, etc. etc. D'ailleurs, je m'excuse, je ne suis pas d'accord. Tu peux ne pas être d'accord. Je ne suis pas d'accord. Désolée, j'ai fait des conférences avec Laurent Dallès en 88. Je ne suis pas d'accord du tout. C'était un scientifique aussi. Et non, il y a des choses qui sont. Il faut mettre les choses. Je ne dis pas que tout. On ne doit pas mettre tout dans le même paquet. Bonsoir. Mais on doit bien comprendre, on doit bien différencier. Il faut arrêter de mettre tout dans le même paquet. C'est comme avec le Covid-19. Il faut arrêter de mettre tout dans le même paquet. Oui, mais Gabriel, tu pourrais répondre à des arguments par des arguments plutôt que c'est toi qui fais des paquets finalement. Là, tu as un scientifique qui a apporté des arguments. Tu devrais laisser les gens parler aussi, parce que sinon on ne peut pas... Non, mais je m'excuse, j'ai vécu ça, c'est compliqué. Oui, d'accord, tu l'as vécu, mais justement parce que tu l'as vécu, tu pourrais amener des arguments qui viennent contredire les arguments de ce médecin-là, par exemple, et non pas faire des paquets comme tu dis qu'il ne faut pas faire. Concrètement, tu n'as pas amené d'arguments. Tu as dit, j'ai connu un tel, j'ai connu Pierre Colgat, il avait le bon costume, d'autres... Certains étaient professeurs, d'autres étaient homosexuels. J'ai 65 ans, alors j'ai vécu plusieurs maladies et j'étais en prison, d'accord ? Grâce à l'ordre profond, ok ? L'état profond, pardon, excusez-moi. Voilà, il faut comprendre aussi que je suis un petit peu démolie, un petit peu avec tout ça, que ce n'est pas évident pour moi de me rappeler de tout. J'ai des documents officiels que je ne peux pas donner maintenant, c'est interdit.
je garde ça chez moi. Mais je peux vous dire qu'il y a des choses qui ne sont pas justes et des choses qui sont justes. OK, oui, d'accord. Le sida, voilà. Mais il y a des choses, non. Il y a des choses oui, qui sont pas justes. Mais tu n'as toujours donné aucun argument, Gabriel. Mais je ne peux pas donner d'argument parce que vous n'allez pas m'écouter parce que vous êtes têtus comme des mules. On serait des crétins, on serait des crétins d'écouter quelqu'un qui n'a pas d'argument et qui nous traite de têtus. Ouais, ouais. Ça serait crétin de notre part. Formidable, j'adore la Belgique. Faut pas être têtu là. Ah ben elle est partie, Gabi. Dommage. Effectivement, il n'y avait pas réellement d'argument. Après, je comprends. C'est pas une dame qui doit mentir, qui a dû connaître les scientifiques, mais ces scientifiques là, même qu'elle a vus en conférence, rien ne leur prouve. Ils n'ont pas prouvé eux-mêmes, ils ne savent pas peut-être, ils se disent, bah tiens, le VIH existe, ils ont fait un fait établi, VIH égale sida, ils n'ont pas dû lire à l'époque, en plus il n'était pas encore sorti dans les années 80, il n'était pas encore sorti le livre de Dr Duisberg, donc les autres livres n'étaient pas sortis, ils n'ont pas vérifié le protocole mensonger de Montagnier, c'est-à-dire par rapport à l'isolation du virus, pas mal de protocoles qu'il n'avait pas suivis de 73 et tout. Donc, ils ne connaissaient pas. Donc, eux, ils connaissent par rapport au virus en général. Donc, ils parlent en général de virus. Et là, M. Hodgkinson, il avait clairement établi. Et d'ailleurs, c'est ce que j'avais constaté. Et si j'ai pu mener, on va dire, une enquête entre parenthèses, bien mon enquête entre parenthèses, c'est grâce à ce monsieur qui avait intervenu dans Sida le doute que je vous ai montré tout à l'heure, parce que j'étais en contact avec ce monsieur et qui actuellement, il est à la retraite. C'est lui qui m'avait aiguillé comment parler avec certaines personnes, certains politiques, certains médecins et tout, voilà quoi. Donc on avait des discussions très cordiales par rapport à ça. On va dire quelque part, c'est lui qui m'avait formé pour le côté Afrique. Voilà. Après, elle le retranscrit peut-être sous le prisme de l'émotion et du coup, elle est peut-être pas totalement objective par rapport aux éléments que tu as et que l'ensemble des personnes qui se sont un petit peu renseignées sur le sujet ont. Surtout que elle a fait l'impasse totale, alors je dis bien totale, sur les phénomènes 80, sur le milieu homosexuel, elle a fait une impasse totale. À l'époque, dans les milieux artistiques, il y avait énormément de drogue, mais énormément. Exactement. Qui fait effondrer le système immunitaire. Exactement, mais ça, elle a fait l'impasse dessus. Kessaring, Jean-Michel Basquiat, des artistes très connus aux États-Unis qui sont venus en Europe par la suite, l'ont dit eux-mêmes qu'il y avait énormément de gens qui avaient attrapé des maladies suite à la drogue, suite aux milieux dans lesquels ils fréquentaient, où il y avait énormément c'était le bazar complet, quoi. Ouais, d'autant plus que dans les années 70, fin 70-80, la drogue, c'était pas celle que l'on a aujourd'hui. Exactement, c'était très fort, il y avait beaucoup d'acide, beaucoup d'ecstasy, les gens, ils se mélangeaient, c'était l'orgie, quoi. Je pense qu'elle a fait une impasse. Je crois qu'il y avait même un médecin espagnol qui, à l'époque, s'était fait injecter du sang, je crois, contaminé pour montrer que c'était des conneries, quoi. Alors, désolé de te couper, oui, effectivement, c'était un Américain qui s'appelle Robert Wilner. Robert Wilner qui l'avait fait ça aussi lors d'une conférence de presse. C'est ça. Quand il y avait un homosexuel, je ne me rappelais plus son nom, qui était à côté, il a fait une petite sorte de transfusion. En direct, voilà, il a dit que c'était pour le bien de l'humanité qui faisait ça. D'ailleurs, Robert Wilner, il est mort, mais il est mort d'un accident. Mais ça, c'est autre chose. Il n'est pas mort du sida. T'es sûr qu'ils n'ont pas testé positif au sida après son accident? En fait, ce qui est marrant, c'est que la science a pris comme exemple le milieu homosexuel pour faire de la propagande sur le sida, en fait. Ils ont utilisé énormément le milieu artistique new-yorkais, américain pour le transphaser à l'Europe. Alors en fait, ils se sont bien servis de ce milieu, en fait. Alors là, par exemple, voilà, on voit Robert Wilner ici, le médecin, qui avec un monsieur homosexuel, voilà, ils vont faire une sorte de transfusion rapide, tu vois, devant cette conférence de presse. Voilà, on va voir un petit peu plus en détail avec l'aiguille. Après, il dit que voilà, bon, ça pique, machin. Bon, il va faire des petites blagues. Voilà, il ouvre le truc, tout le package en direct. Donc, le monsieur à côté, voilà, il va être piqué. Lui, à son tour, il va être piqué aussi. Vous voyez bien, en fait ? Ouais, c'est bon. Ok, super. Voilà, bon, il en parle après. Mais il n'y a pas de son. Hein.
Oui, non, je l'ai fait exprès, de toute façon, c'est en anglais, donc vous n'allez pas peut-être... And he said, go home and give him a shot of penicillin. I took the syringe and everything home, and my wife held Bruce over her shoulder, over her bottom, right into my... Careful. You can tell I don't like doing this. Never have. Okay. Voilà. And we want to get a lot of blood. There we go. Okay. Ouais, il voudrait avoir plus de sang, possible. Thoroughly in this blood. And I say to my friends, Fauci and Gottlieb, alors là, il parle de Fauci, Anthony Fauci, l'escroc qui est à la tête maintenant, celui qui nous casse les couilles mondialement pour l'arnaque du coronavirus, hein, parce qu'il a déjà escroqué pour la fraude du sida à l'époque, hein, Anthony Fauci. Là, il lui répond. And, Gallo and all the rest of those criminals. All right. Voilà, ça c'est pour sauver l'humanité, c'est pas pour une autre raison. Donc en gros, je suis pas là pour faire le beau. Voilà. Il avait pris le sang d'un autre monsieur. Et croyez-moi, ça fait mal. Voilà.